find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a bust. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Plus, I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop trying. We gon' be harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. Yeah.
Message reçu.
sperm cells are very small, but they are very specialized too. The sperm cells of different species of animals are all about the same size. Those animals which give birth to live offspring are called live-bearing oviparous. Those animals which lay eggs are called egg-laying oviparous. The difference is that these many offsprings will have sperm. Below is a table of the vertebrates which shows which groups are oviparous and which groups are oviparous. Amongst the double-breasted burger from them. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en direct pour le WTTC 2018 sur le circuit de Nürburgring et nous allons rejoindre tout de suite nos pilotes qui sont en qualification et pour le moment aucun temps n'a été effectué sur le circuit actuellement. Alors nous sommes en direct sur la caméra de Rémi Caron qui a gagné précédemment, si vous nous avez suivi sur notre chaîne, en F1 sur le circuit de Melbourne alors qu'il est avec sa petite BMW aux couleurs de l'abeille de Maya. Et nous allons regarder monsieur Bodina qui nous fait un beau travers également avec sa petite abeille Maya. Et on s'aperçoit que monsieur Kevin Bruxelles, notre Belge national, et Cédric Valat avec sa Citroën du team Loeb se lance sur la piste alors qu'un premier temps a été effectué par Rémi Caron avec 2 minutes 528 tandis que Jérôme Bonina est à 1 seconde 037 derrière et que Ludovic est à plus de 6 secondes. Et voici
notre pilote castré qui arrive tout droit du Tarn avec sa Seat Leon, monsieur Anthony Tolino, qui essaie de la tenir. Et qui va essayer de nous faire un petit chrono comme il sait le faire sur les fameux circuits allemands. Voilà monsieur Kevin Brussel avec sa BM Monster Energy. Qui roule très fort et qui est très motivé ce soir. Alors qu'on peut voir qu'il est à la poursuite de Cédric Valad. Et notre ami Rémi Caron qui s'arrête et qui rentre au stand car il vient d'effectuer une 58-994. Allez, nous restons sur notre pilote castré de la région Midi-Pyrénées qui s'est loupé mais qui se rattrape tant bien que mal. Ludovic Breton qui se met à la chasse mais qui se met à la faute malheureusement et qui repart. Et notre Kevin Brussel notre pilote belge qui malheureusement est en dernière position car il a effectué aucun temps pour le moment, mais ça ne serait trop tardé. Voilà, on voit Anthony se faire rattraper par Ludovic. Avec sa magnifique Pulsat, avec sa Chevrolet. Commence à le coller. Ludovic doit avoir de grosses frayeurs quand le pilote tarné fait des freinages excessifs. Et il a peur Attention, il lui fait peut-être un extérieur. Non. Le pilote tarné essaie de garder sa trajectoire. Tandis que Ludovic le talonne toujours. Alors que Ludovic fait une intimidation pour essayer de le passer. Est-ce qu'il va le passer? Non, il ne peut pas. Et voilà, c'est la catastrophe pour le pilote tarné, car il vient de faire une erreur phénoménale. Car il aurait dû laisser passer Ludovic. Et voilà, monsieur Christophe Collardi avec sa Mercedes. Couleur de M&M's et il est en train de nous effectuer son temps de qualification. Allez, nous allons nous mettre dans sa caméra, dans son cockpit pour écouter le bruit de cette merveilleuse Mercedes.
Voilà que Christophe Collardé est en fini avec sa Mercedes en un temps de 2.04.725. Et nous allons voir notre Kevin Bruxelles qui s'est placé à la 4e place avec plus de 656 centièmes sur le premier, le leader. Avec sa BM toute verte flamboyante. On commence à montrer sa férocité. Car il n'a pas eu de chance pour son Grand Prix de F1, son premier Grand Prix de F1 à Melbourne. Et ce pilote a la rage au ventre pour pouvoir se qualifier en pole position en faisant 1.58.364. Voilà qui détrône Rémi Caron et qui le met à plus de 629 centièmes, suivi de Cédric Vallat, Jérôme Bodina, Christophe Collardet, Ludovic Breton et notre pilote tarné Anthony Tolino qui se place à la dernière position de ce Grand Prix de Nürburgring en WTTC, je vous le rappelle. Voici notre pilote tarné avec sa couleur framboise. Et monsieur Ludovic Breton avec sa Pulsat, la Chevrolet. Qui va essayer de nous faire une course admirable. Et monsieur Christophe Collardet avec sa Mercedes. Écoutez-moi celui-ci. C'est un vrai régal pour les oreilles. Et Jérôme Bodina, le petit frelon, qui lui se trouve en 4e position. Qui est un admirable pilote. Kia Cup et qui a eu des graves soucis en F1. Voilà, qui nous fait du spectacle en faisant un petit travers. Et il est en train de se rapprocher du pilote tarné. Anthony Tolino, donne son surnom par les pilotes de Toto. Voilà, nous allons rester sur la caméra de Jérôme Bodina qui est à l'attaque. Alors qu'on s'aperçoit que le temps est pratiquement terminé pour ces qualifications. Donc je vais vous donner
les positions pour le départ de ce Grand Prix en WTTC. Alors en première ligne, nous aurons Kevin Bruxell sur BMW F30 2015 avec un chrono de 1:58.364, suivi en première à ses côtés de Rémi Caron sur également BMW F30 2015 avec un chrono de 1:58.994. En seconde ligne, nous aurons Cédric Vallat sur Citroën 2016 avec un chrono de 1:59.403. À ses côtés, il y aura Jérôme Bodina sur BMW F30 2015 avec un chrono de 1:59.622. En troisième ligne, nous aurons Ludovic Breton sur Chevrolet Cruze 2016 avec un chrono de 2:53.952. Nous aurons Christophe Collardi à ses côtés sur Mercedes-Benz C200 2015. Et en dernière ligne, nous aurons notre pilote tarné, malheureusement pour lui, en dernière ligne avec sa Seat Leon 2015. Voilà, la course va bientôt débuter. Je souhaite à tous et à toutes une bonne course pour ce WTTC 2018 sur le Grand Prix. Alors voilà, ça va débuter dans 30 secondes environ et nous allons voir si tous ces pilotes tiennent ses promesses. Voilà, nous sommes au départ. Le feu vert va être déclenché dans 3 secondes. Attention, voilà le feu vert qui arrive. Attention, le départ, voilà, ça y est, les pilotes sont lancés. Alors que Rémi Caron prend la tête, suivi de Jérôme Bodina et Cédric Vallat. Et Bruxelles qui est à l'attaque, qui essaye de tout de tout pour essayer de passer. Mais Jimmy garde sa place alors que Luc Dubé-Breton est juste derrière dans le pare-choc de Cédric. Alors que on peut s'apercevoir qu'il y a une grosse bataille entre Rémi Caron et Jérôme Bodina. Alors que notre petit pilote belge essaye de se faufiler entre les deux BM frelons. Voilà qui est fait. Passe devant Rémi Caron et Cédric avec sa Citroën WTTC Eurodata aux couleurs françaises. Et juste derrière les BM. Alors nous allons voir ces quatre pilotes qui vont s'acharner pour essayer de nous donner un spectacle phénoménal sur ce circuit de Nürburgring qui, je rappelle, est la première manche du championnat. Alors que nous sommes sur la caméra de Jimmy avec Kevin Bruxelles qui est... alors que Cédric essaye l'intérieur, il essaie de passer, non, il ne passe pas car Kevin lui a fermé la porte. Mais il reste toujours au contact alors que les deux BM prolongs prennent une distance énorme. Et c'est les deux pilotes qui se battent pour la troisième place n'arrivent pas alors qu'il y a un petit contact contre sur le pare-choc arrière de Kevin Bruxelles. Il n'arrive pas à le dépasser alors que le Dubé Breton, on le voit, reste au coude à coude en cinquième position. Alors voici le classement: Bodina, Caron, Vallat, alors qu'il vient de se faire dépasser par Kevin. Alors Jérôme Bodina en première position en tant que leader, suivi de Rémi Caron, troisième Kevin Bruxelles, troisième Cédric Vallat, cinquième
Anthony Tolino, 6e Ludovic Breton, 7e Christophe Collardet sur sa Mercedes, qui malheureusement s'est fait distancer par des pilotes talentueux ce soir, alors que nous sommes sur la caméra de Jimmy et nous pouvons apercevoir les deux frelons en tête qui n'arrivent pas, alors que notre pilote belge national essaye de se mettre au contact de Rémi Caron et de Jérôme Bodinat. Voilà que nous voyons en ce moment, alors qu'on peut s'apercevoir que Rémi essaye de mettre à la faute Jérôme Bodinat pour essayer de placer sa voiture en tête avec son numéro 29. Et Kevin Roussel en troisième position, suivi de Cédric Vallat. Voilà, Jérôme Bodinat dans toutes ses œuvres essaye de garder sa tête. Alors que nous finissons le second tour. Jérôme Bodinat passe la ligne en tant que leader. Ainsi que Rémi Caron à sa deuxième place. Kevin Roussel troisième, quatrième Jimmy, Cédric. 5e Anthony Tolino, 6e Ludovic Breton et 7e Christophe Collardet, que nous voyons actuellement en direct, qui fait tout pour revenir sur ses pilotes mais qui a eu un problème au départ car sa Mercedes a eu sûrement un ennui où il a eu un souci d'embrayage. Voilà les commissaires de course qui nous annoncent qu'il reste 30 minutes de course. En espérant que notre Kiki National puisse revenir au contact des 6 pilotes devant lui avant la fin de cette manche de Nürburgring, alors que nous voyons Ludovic Breton avec sa Chevrolet Pulsar qui essaie de revenir sur Anthony Tolino, alors qu'on a pu s'apercevoir que pendant les qualifications, il avait toutes ses chances pour pouvoir le passer. Voilà, nous allons rester sur l'attaque du 6e sur le 5e pour voir si Ludovic Breton va en arriver. Oh, il se met à la faute, mais sans gravité. Il va repartir car sa voiture est un peu plus puissante que la Seat Leon de Anthony. Alors qu'on le voit en fin de ligne droite au bout des stands. Voici Tolino, notre pilote castré. Et on entend la Chevrolet de Ludovic Breton qui n'est pas loin de son pare-choc. Car il a toutes ses chances pour pouvoir dépasser ce pilote tarné. Et voilà l'attaque de Jimmy, de Cédric Vallat sur Kevin Roussel. Avec la persévérance de Cédric avec sa Citroën qui voudrait dépasser Kevin Roussel pour avoir la troisième place et pour pouvoir monter sa voiture française sur le podium.
alors que je m'aperçois que Christophe Collardet a abandonné. Suite sûrement à un problème mécanique. Et on peut s'apercevoir que Cédric Balat est en train de revenir petit à petit sur notre pilote belge Kevin Broussel, sur sa Muster Energy. Il a toutes ses chances pour pouvoir monter sa voiture sur le podium, qui, je vous rappelle, espère une victoire en troisième place, voire en seconde position. Mais Kevin ne laissera pas faire, car il a la rage au ventre ce soir. On peut s'en apercevoir, car le pilote de la Citroën est distancé, alors que les deux leaders se donnent les coups pour coups, alors que Jérôme Bodinat est toujours en tête de cette manche en WTTC, suivi de Rémi Caron, suivi de Kevin Broussel, quatrième Jimmy, Cédric Balat, pardon, et Ludovic Breton en cinquième place, et sixième et dernière position, notre pilote tarné Anthony Tolino. Voilà, nous restons sur les leaders pour le moment et nous allons voir. L'attaque de Rémi Caron sur Jérôme Bodinat, qui est magnifique hein, sur une ligne droite. Nous voyons les BM qui sont côte à côte. Qui va en arriver au bout? Rémi Caron qui passe. Et Jérôme Bodinat lui cède sa première place pour la première fois de ce soir. Voilà qui est fait, et Rémi Caron nous fait le spectacle, ainsi que Jérôme, pour le régal des spectateurs. Tout le monde est debout pour acclamer notre ch'ti national Rémi Caron et notre Jérôme Bodinat, qui va essayer de se refaire pour reprendre sa place de leader. Mais Rémi Caron, comme on le sait, est un pilote persévérant qui ne lâche rien et qui commence à prendre le large sur Jérôme, alors qu'on voit Christophe Collardet, le pauvre Christophe Collardet, qui doit être déçu de son départ, qui a dû rejoindre les paddocks. Et notre pilote tarné qui nous fait le spectacle, car il n'a plus rien à perdre, car il est dernier de cette manche, malheureusement, avec sa Seat Leon. Espérons qu'il garde des pneus pour la fin de cette manche. Alors que Ludovic Breton, les ayant doublés, se retrouve à la cinquième place et essaye de retrouver le contact avec Cédric et Kevin Broussel pour espérer d'être quatrième ou voire troisième. Mais ça sera impossible, car il ne reste pas pratiquement plus de temps, pratiquement. Voilà Ludovic Breton alors que Cédric Balat avait doublé Kevin Broussel, et Kevin vient de reprendre sa place. Allez, revenons à la course. Voilà, nous sommes
dans la voiture de Rémi Caron. Non, pardon. C'était Kevin Bruxelles, pardon. Alors que Cédric Vallat a tenté une attaque, mais Kevin l'a repoussé et garde la troisième place et essaie d'arriver au contact de Jérôme Bodinan. Tout en espérant monter sur le podium ce soir. Voilà, il reste plus que 20 minutes de course. Alors qu'on peut s'apercevoir que Rémi Caron a bien distancé son coéquipier Jérôme Bodinan. Vous allez regarder l'attaque de Kevin Bruxelles qui essaye de se rapprocher de Jérôme qui est fait car il fait une petite faute en glissade. Et voilà, Cédric, sur sa magnifique Citroën. Car il a pris, hop, erreur de Kevin Bruxelles. Alors que Cédric en profite pour essayer de doubler Jérôme Bodinan qui se met au contact de pare-choc, qui sort à la faute. Mais que Cédric reste sur le circuit. Il se met dans les pare-chocs de Jérôme Bodinan qui le prend à l'intérieur. Et oui, c'est fait. Cédric qui est en seconde position derrière Rémi Caron. Alors que Jérôme Bodinan le talonne au pare-choc pour essayer de reprendre sa seconde place. Attention, qui se porte l'attaque. Qui essaye l'intérieur. Intimidation. Et voilà, Jérôme Bodinan qui reprend sa seconde place. Ah, c'est une attaque formidable. Formidable, alors que Cédric reste au contact, il refait l'intérieur et essaye de repasser, mais non, on va rester sur cette caméra car elle est fabuleuse. Voilà, Cédric est au contact toujours avec Jérôme Bodinan. Cédric, le frère de Jimmy Vallat, qui a prêté son TS car il avait un souci de connexion avec le sien. Voilà pourquoi il porte le nom de son frère ce soir. Alors que c'est Cédric au pilote. Un pilote talentueux sur sa Citroën. Aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. À l'attaque sur Jérôme Bodinan. Qui nous font un spectacle admirable pour la place de deuxième. Un contact léger, ça s'est frôlé, les ailes se sont frôlées avec le petit frelon. Alors qu'on voit Kevin Bruxelles en fond de ligne qui a abandonné tout contact après son erreur. Alors que Jérôme Bodinan nous fait un spectacle en glisse et Cédric toujours derrière. Alors qu'il reste 18 minutes de course. Alors le classement est le suivant. Premier, Rémi Caron sur sa BM aux couleurs jaune et noir du frelon. Deuxième, Jérôme Bodinan qui essaye de garder sa place de second avec également sa BM orange et noir du frelon. Quatrième, Cédric Vallat avec sa couleur bleu blanc rouge avec sa Citroën WTTC prêtée par la Team Lob. Kevin Bruxelles quatrième avec sa Mercedes sa BMW pardon Monster Energy. Ludovic Breton avec sa Chevrolet Pulsat. Et notre pilote tarné en dernière position qui ferme la manche
Anthony Tolino sur sa Seat Leon couleur framboise, qui malheureusement n'a pas eu de chance ce soir car il était cinquième, alors que Cédric essaye de revenir au contact de Jérôme Bodina pour essayer de lui concéder la seconde place, alors qu'il ne reste plus que 16 minutes de course. Alors qu'on peut apercevoir que le pauvre Kevin Bruxelles tensionne l'attaque de Jimmy, de Cédric, pardon, à l'intérieur. Jérôme Bodina qui lui refait l'intérieur et qui se met à la faute, poussé par Cédric, qui se remet côte à côte. Ah, c'est une attaque phénoménale. Il se donne les coups pour coups. On dirait un match de boxe. Mais Cédric en a pris le meilleur sur Jérôme Bodina, qui lui a pris la seconde place et qui place sa Citroën deuxième sur le podium. Voilà, Jérôme qui est distancé un peu alors que la nuit tombe sur Nürburgring. Les spectateurs sont fous de joie de voir ces deux pilotes talentueux se mener une bataille féroce, alors que Rémi Caron fait cavalier seul, tout seul comme un grand bonhomme qu'il est. Son team manager va le féliciter à l'arrivée. Car c'est un pilote qui sait gérer ses courses. Ça en est la preuve ce soir. Voilà, il reste moins de 10 minutes de course pour en finir de cette manche de Nürburgring, alors qu'on a pu apercevoir la voiture de Anthony, sa Seat couleur framboise. Eh bien non, il n'aura pas eu la chance de se faire doubler par le leader, car Anthony Tolino a abandonné suite peut-être à des soucis techniques. Voilà le pauvre Anthony Tolino, notre pilote tarné, dit Toto. Et notre ami Ludovic Breton, qui lui aussi est cavalier seul, doit bien s'ennuyer, car la nuit commence à tomber sur notre circuit de Nürburgring. Et nous le voyons rentrer dans les paddocks. Car il peut avoir un souci mécanique. Voilà, voilà qu'il arrive près de son assistance technique. Ses ingénieurs et ses mécanos l'attendent, alors qu'on entend la voiture de monsieur Rémi Caron. Qui lui va lui succéder sûrement un tour de plus. Voilà qui passe, et le pauvre Ludovic Breton qui essaye de repasser devant Rémi Caron. Rémi Caron qui fait un travers pour essayer de l'éviter. Mais Ludovic Breton a eu un drapeau bleu, donc il a laissé passer le leader. Ce qui lui a coûté cher, car il a deux tours. Et Rémi Caron ne cède en rien.
continue sa course comme si rien n'était. Voilà le pauvre Ludovic Breton qui va dans le bac à sable, voilà, et qui revient sur la piste. Voilà, espérons que il n'ait pas de soucis. Apparemment non, il continue. Allez, voilà Kevin Bruxelles qui revient au contact tant bien que mal de Jérôme Bodina et de Cédric Vallat. Cédric Vallat toujours en seconde position et Jérôme Bodina sur sa BMW Frelon toujours en troisième position, alors que Kevin Bruxelles essaie de revenir en contact avec sa Monster Energy qui malheureusement a eu un petit souci car il a eu un petit contact, ce qui a valu sa place de troisième. Alors qu'on peut voir que Jérôme Bodina vient de reprendre sa seconde place devant Cédric Vallat, et Cédric qui rentre dans les paddocks, et que Jimmy va se faire reprendre sa place de troisième. Se retrouve en quatrième position alors qu'on a pu apercevoir Rémi Caron qui était arrêté au paddock, qui se retrouve au troisième, Kevin Bruxelles deuxième et premier en tant que leader Jérôme Bodina. Voilà Jimmy qui redémarre des paddocks ainsi que Rémi Caron et Kevin Bruxelles qui lui se retrouve en seconde position avec sa BMW Monster Energy. Pour le moment 3 BMW sur le podium alors qu'il aurait pu y avoir une Citroën WTTC. Alors que nous pouvons voir Jérôme Bodina qui va prendre la distance avec Kevin Bruxelles. Et Ludovic Breton, malheureusement, qui va céder un autre tour. Par le nouveau leader Jérôme Bodina sur sa fabuleuse BMW Frelon qui est à la faute mais qui rentre avec Kevin Bruxelles au stand alors qu'il ne reste plus que 8 minutes de course sur ce circuit de Nürburgring. Voilà, Ludovic Breton, toujours à la cinquième place, alors que Rémi Caron reprend sa place de leader. Très bonne stratégie de ce pilote. Alors qu'on peut voir Cédric Vallat, qui va reprendre sa seconde place. Voilà, qui est fait troisième, Kevin Bruxelles pour le moment, avec Jérôme Bodina. Nous allons nous mettre sur ces deux pilotes. Voilà. Oh, faute de Kevin Bruxelles avec Jérôme Bodina, me semble-t-il. Alors que Jérôme repart en troisième position et quatrième, Kevin Bruxelles. Mauvaise stratégie du pilote belge, me semble-t-il, car il y a eu contact avec
Le troisième, Jérôme Bodina de la team Frolon. Espérons qu'il n'y ait aucune conséquence. Nous allons voir la voiture. Ces voitures sont intactes. Alors qu'il ne reste plus que 6 minutes de cette manche. Alors que nous voyons la BMW de Jérôme Bodina en troisième position. Et nous voyons la fabuleuse Citroën prêtée par le Team Loeb de Cédric Vallat, qui tient toutes ses promesses de monter sa voiture, enfin sa Citroën plutôt, sur le podium en seconde position. Et que Rémi nous fait le spectacle pour ces 6 dernières minutes, qui va en finir en tant que leader pour cette manche en Nürburgring. Voilà Ludovic Breton sur sa Chevrolet Pulsat en cinquième position, qui malheureusement n'aura pas eu de chance ce soir pour essayer de rivaliser avec les quatre pilotes talentueux qui sont Rémi Caron, Cédric Vallat, Jérôme Bodina et Kevin Roussel, qui ce soir ont tout donné pour placer leur voiture dans les positions actuelles. Voilà notre pauvre pilote belge qui malheureusement a eu un choc à la sortie des paddocks et qui est actuellement en course sur le Nürburgring. Et comme nous ont annoncé les commissaires, il nous reste plus que 5 minutes de course pour en finir de cette manche en Nürburgring en WTTC 2018. Organisé par nos trois compères Noël Delobe, Christophe Collardet et Ludovic Breton, que l'on remercie pour cette admirable soirée qui nous offre un WTTC. Et je suis très déçu que mon ami et compère Christophe Collardet et abandonné sa course, mais il n'est que parti à refaire. Voilà Kevin Roussel qui passe devant les stands, acclamé par son public de Bruxelles, mais qui malheureusement ne pourra pas plus revenir, je pense, sur les trois premiers qui sont Rémi Caron en tant que leader, Cédric Vallat deuxième position avec sa Citroën et Jérôme Bodina avec sa BM Frolon ainsi que le leader, la pauvre Monster Energy aura souffert ce soir, ainsi que la Chevrolet de Ludovic Breton, surnommé Lulu, mais qui est toujours en course et tient le choc comparé aux deux pilotes qui ont abandonné, qui sont Anthony Tolino sur Seat et Christophe Collardet sur Mercedes, qui malheureusement ont eu des problèmes mécaniques.
Voilà, on m'annonce qu'il reste moins de 2 minutes de course. Et nous voyons Jérôme Bonina, le troisième. Qui fait tout pour revenir sur Cédric. Mais cela sera impossible ce soir. Car ce pilote est talentueux avec sa Citroën prêtée par le Team Log. Son team manager doivent le féliciter. Car il reste moins d'une minute de course. Et il place sa Citroën en deuxième position sur le podium de Nürburgring. Première manche en WTTC, je le rappelle, 2018, organisée par la BRCV, qui nous offre un spectacle splendide qu'on ne regrette pas. Alors qu'on a pu apercevoir la voiture de Rémi Caron, non, de Ludovic Breton, pardon, qui risque de se faire reprendre un tour. Voilà Ludovic, Rémi Caron, pardon, qui fait cavalier seul et qui va butiner sa victoire, une de plus à son palmarès. Mais qui arrêtera ce pilote? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Faites vos paris. Qui va détrôner ce ch'ti national? Personne n'en sait rien. Alors qu'on voit Cédric avec Ludovic Breton. Mais ça n'est terminé. Voilà, victoire de Rémi Caron. Deuxième, Cédric Vallat. Troisième, Jérôme Boudina. Quatrième, Kevin Bruxelles. Cinquième, le pauvre Ludovic Breton. Anthony Tolino et Collardet, ainsi que Kevin Bruxelles, qui va en terminer. Je pense à la dernière place. Voilà. À la quatrième place. Non, me dit-on qu'il va en terminer à la troisième place. Alors, petit récapitulatif. Alors, premier, Rémi Caron. Deuxième, Cédric Vallat. Troisième, Kevin Bruxelles. Quatrième, Jérôme Bodina. Cinquième, Ludovic Breton. Abandon de Anthony Tolino et de Christophe Collardet. Deux BM sur le podium. Une en première place et une en troisième place. Donc la BM de Rémi Caron, la Frelon. La fabuleuse Citroën prêtée par la Team Loeb de Cédric Vallat. La troisième place pour Kevin Bruxelles avec sa magnifique BMW au sponsor de Monster Energy. Quatrième, Jérôme Bodina avec sa team Le Frelon. Et cinquième position, Ludovic Breton avec sa splendide voiture, la Pulsat, la Chevrolet Pulsat, pardon. Voilà, la course est... La première manche est terminée. Les pilotes vont rejoindre les paddocks. Félicite le champion. Et se demande comment faire pour le détrôner. Y aurait-il une voiture qui pourrait
lui succéder à son palmarès, je dirais que peut-être la Citroën a toutes ses chances de pouvoir placer sa se placer pardon en première position. Voilà Rémi Caron qui fait un petit bouchon sur Ludovic Breton. Ou même non, c'est Ludovic Breton qui le pousse. C'est phénoménal. Il le pousse pour rejoindre les paddocks quand, car il est tombé en panne d'essence. C'est le comble du tout au tout. Car le leader se fait pousser par le dernier. C'est énorme, mesdames et messieurs. C'est la risée de sa team. Car il se fait chambrer. Le frelon a perdu ses ailes. Il n'aura pas de miel ce soir. Voilà. Bah. Voilà, lui de Breton qui le pousse de. Sur la ligne droite et qui a failli sortir, mais non. Non. Alors, est-ce que Rémi Caron va tenter de lui faire rejoindre les paddocks pour qu'il puisse finir sa course? Le frelon a-t-il perdu ses pattes? On n'en sait rien. Mais on peut dire que la Chevrolet lui porte secours. Voilà, notre Mimi National a oublié son carnet de chèques pour pouvoir mettre du carburant à sa BMW. Voilà, la course est actuellement terminée. Nous allons faire une page de pub et nous allons revenir pour la seconde manche qui va se dérouler dans quelques instants. Hello, beautiful. Hello, cutie pie. Someone here to see you. Bento Kronen Light. Oh mais Kiki. Kiki. Thank you.
Thank you.
smarter to travel in groups. Message reçu. Message reçu. Message reçu. Message reçu. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, de retour pour les secondes qualifications de Nürburgring. Voilà. Alors, j'ai un petit souci de son.
je vais vous mettre une interlude musicale, puis je vais revenir poursuivre ces secondes qualifications sur le Nürburgring. Alors nous voilà de retour de nouveau sur le Nürburgring pour la seconde phase des qualifications. Avec un souci technique, veuillez m'en excuser. Alors, premier, ce qui n'est pas étonnant, c'est monsieur Rémi Caron sur sa BMW F30 à 1,58783, suivi de son compère Balat. Cédric sur Citroën de la team Loeb à 1,59,246 qui est juste à 463 centièmes de la position du leader, ainsi que Kevin Bruxelles sur BMW F30 à 2 minutes 2 130, Ludovic Breton qui place sa Chevrolet à la 4e place à 2 minutes 03. Christophe Collardet, 5e position avec sa Mercedes-Benz en 2,06. Valentin Louage sur Seat Leon et Anthony Tolino également sur Seat Leon qui vont essayer de concurrencer notre leader qui est pour le moment Rémi Caron. Alors nous partons sur la piste, voie que monsieur Rémi Caron est dans son paddock, monsieur Tolino également qui repart. Voilà notre pilote Tarné qui va se lancer sur la piste pour effectuer son chrono, et Valentin Louage, son coéquipier, qui va tout faire pour
rivaliser sur Tolino en espérant qu'il place sa Seat en meilleure position que son confrère. Voilà, Jérôme Bodina. Avec sa BMW, avec sa Mercedes pardon, qui se fait rattraper par Kevin Bruxelles avec sa Monster Energy. Est-ce que le Belge en fera qu'une bouchée de notre petit Vosgien? Je ne pense pas. Ah si, parce qu'il nous fait une petite sortie. Voilà, qui est reparti. En espérant qu'il nous fasse pas trop de frayeur et qu'il essaye de passer sa Mercedes, qui est fabuleuse, à une meilleure position que tout à l'heure. Et voici notre Ludovic Breton sur sa Chevrolet Pulsar qui a fini la première manche à pousser le leader qui était tombé en panne d'essence. Très bon esprit de cohésion entre ces deux pilotes. Chapeau à eux. Merci messieurs pour cette générosité que vous nous avez offert. Et Kevin Bruxelles qui nous fait des spectacles avec sa BM et sa Monster Energy. Il se prend pour Ken Block. Il lui manque plus que le numéro 43. Et voilà, en piste qui se trouve en troisième position. Alors pour le moment, nous avons Rémi Caron et Jimmy et Cédric Vallat en pole position. Ce sera Rémi Caron suivi de Cédric Vallat, dont son nom sur l'écran c'est Jimmy, c'est le nom de son frère. Deuxième ligne, nous aurons pour le moment provisoirement, nous aurons Jérôme Bodina suivi de Kevin Bruxelles en quatrième position. Cinquième position et troisième ligne, nous aurons Ludovic Breton suivi de Christophe Collardet. Et quatrième et dernière ligne, nous aurons Valentin Louage et Anthony Tolino, notre pilote tarné. Tous deux qui conduisent une Seat de couleur framboise. Qui, j'espère, ira très loin dans le championnat. Voilà, alors qu'on a pu apercevoir Anthony derrière Kevin Bruxelles, pardonnez-moi, qui a un chat de la gorge. Alors que voilà notre petite framboise. De la ligne droite qu'on peut apercevoir. Voilà Jimmy avec sa merveilleuse Citroën, Cédric avec sa Citroën du team Loeb qui lui a prêté généreusement. Rémi Caron, notre leader. Et voilà notre tout jeune pilote, le petit framboisier Valentin Louage, qui a loué sa Seat.
qui a confondu la pédale de frein avec l'accélérateur. Et voilà notre petite framboise. Qui j'espère a bien reconnu la piste, car c'était la même que tout à l'heure. Malheureusement, il nous commet quelques petites fautes de débutants. Il y a le Cyclone dans la vie, mais ce n'est pas la même conduite en circuit, comme on peut s'en apercevoir. Voilà, notre petit tarné ne paye pas les pneus, car il est sponsorisé par Goodyear. Ce qui est fort dommage. Voilà, notre ami Jérôme Bodina, qui se trouve actuellement en 5e position avec sa BMW, la Frelon, qui fait les spectacles aux spectateurs. Et qui régale le tout petit. Voilà, nous allons voir le temps qui reste. Il reste plus beaucoup pour cette fin de qualification. Il ne reste plus que 20 secondes. Donc je vais revenir sur le garage et vous dire les positions des pilotes qui vont pas dans la course de cette seconde manche. Première ligne, nous aurons Rémi Caron et Valadjimi. Donc Rémi Caron partira en tant que leader. Seconde ligne, nous aurons Kevin Broussel suivi de Ludovic Breton. Troisième ligne, Jérôme Bodina et Christophe Colardet. Et quatrième et dernière ligne, Anthony Tolino suivi de Valentin Loage. Voilà que le temps en est terminé. Le temps d'une petite intro. Et nous allons revenir sur ces pilotes talentueux qui vont prendre le départ d'ici peu. À vous les studios, une page de pub et nous revenons aussitôt sur le circuit de Nürburgring pour suivre cette seconde manche sur le circuit de Nürburgring en WTTC 2018. A tout à l'heure. Non-essential personnel leave the grid now.
Voilà, nous sommes de retour directement, excusez-moi d'avoir coupé si court. Nous sommes sur la course qui va prendre le départ et nous sommes avec le deuxième qui est Cédric. Attention, c'est parti, voilà, que Rémi Caron commence à prendre la tête, suivi de Jérôme Boudina, suivi de très très par Cédric avec... Comme on peut voir, Jérôme Boudina qui ferme la porte des deux Bretons et qui arrive en fondu, en furie, c'est Anthony Tolino. Mais les 4 et 5 premiers sont dégagés. Ça y est, qui commence à prendre la route alors que Cédric essaie de trouver l'ouverture entre... Ah voilà, Cédric part à la faute alors que Anthony Tolino et Christophe Coulardet en profite pour passer choc avec Christophe Collardet, le pauvre Roger qui essaye de faire une course admirable alors qu'il essaye de passer et Jérôme, voilà, Christophe qui essaye de se venger en faisant un coup de portière, mais malheureusement ça ne suffira pas pour que Cédric puisse le distancer. Voilà. Une course de grosse bagarre alors qu'on voit Anthony Tolino se battre avec Jérôme Boudina, essayer de placer sa voiture en quatrième position et que Jérôme Boudina essaie de se détacher pour aller retrouver Ludovic Breton qui se trouve en troisième position. Voilà Ludovic avec un magnifique Chevrolet comme ça qu'on peut apercevoir alors que les deux leaders qui se tirent pour coup qui sont la team du Frelon de Rémi Caron, l'indétrônable sur circuit, et Kevin Bruxelles avec sa Monster Energy qui essaye de le distancer mais n'arrive pas, alors que Ludovic Breton, qu'on va s'apercevoir, essaye de revenir sur ces deux pilotes-là. Voilà, Kevin Bruxelles qui fait une petite faute en glissant, et Rémi Caron, un tout bon pilote, fait un admirablement, un bon passage pour essayer de revenir sur ce pilote belge. Alors, est-ce que Rémi Caron va gagner sa seconde course? Attention qu'il est, à l'attaque. Le pare-choc sur Kevin Bruxelles. Ces deux pilotes sont talentueux. Alors que notre pilote belge essaye de maintenir sa place de leader avec sa Monster Energy. Et que Rémi Caron lui fait l'aspiration, pardon, à son pare-choc. Essaye de l'intimider pour pouvoir passer, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture alors que Rémi Caron reste à l'extérieur pour essayer de faire un dépassement qui n'arrive pas, alors qu'on aperçoit la voiture de Ludovic Breton, sa Chevrolet tout ça en troisième position, et Rémi qui porte ses attaques sur le leader. Le Frelon a sorti son dard. Attention, qui ne pique pas. Nous y reviendrons tout de suite. Nous allons voir Valentin Louage, le pauvre qui... Pauvre petit framboisier qui a perdu tous ses fruits et qui se retrouve en dernière place, qui se retrouve 8e au classement. Et notre ami Christophe Collardet qui malheureusement a eu un coup de portière avec Cédric qui l'a fait retrouver sa 7e place malheureusement. Et Anthony Tolino qui se met à la faute et qui est à la pourchasse, de
Cédric. Notre pilote est armé, qui est déchaîné ce soir. Attention de ne pas faire un coulis de framboise. Voilà, nos commissaires nous annoncent qu'il reste 30 minutes de course. Et je suis fort content que les 8 pilotes pour le moment sont en course pour le titre tout. Ce qui fait plaisir à voir. Alors qu'on peut s'apercevoir que ça y est, le frelon a piqué le Monster Energy et qui se retrouve en pole position, en première position sur Kevin Bussell. Alors que Jimmy, Cédric, pardon, le frère de Jimmy, se retrouve en cinquième position, doit être très très déçu de ce résultat. Lui qui espérait tant monter sur le podium une seconde fois, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, malheureusement. Tout pilote connaissant ce dicton. Alors qu'on a pu apercevoir Ludovic Breton qui va se faire attaquer par l'autre petit frelon. Attention, Jérôme qui part à la faute. Oh, catastrophe. Et voilà Jérôme Boudina qui est parti à la faute. J'espère pour lui qu'il n'a pas de gravité. Non, voilà, le voilà reparti derrière Jimmy qui reprend sa quatrième place. Mais on dirait que Jérôme Boudina a des problèmes de direction. J'ai bien peur qu'il va passer au stand de voir ses mécaniciens. Alors qu'on peut entendre derrière le fou furieux, le Tarné, le pilote Tarné, Anthony Tolino, dit Toto. La petite framboise, le coulis va devenir confiture. Et on peut s'apercevoir que ses pneus commencent à souffrir, en espérant que ses pneus tiennent jusqu'au bout, alors qu'il reste moins de 20 minutes de course. Et Christophe Collardet n'arrive pas à revenir sur la petite framboise. Valentin Louage se trouve loin au classement, et loin derrière. Il a dû confondre les freins avec l'accélérateur, malheureusement. Mais on peut dire que c'est un pilote talentueux, mais novice encore en circuit. Qui essaye d'assurer sa 8e place en amenant sa voiture sur la ligne d'arrivée. Voilà, photo d'Anthony Tolino, alors que Christophe Collardet a pu prendre la 6e place. Bien content pour ce pilote, alors que je vois que le pilote Tarné, voilà, il nous a fait un coulis de framboise. Il est obligé de rentrer dans les paddocks pour faire réparer, alors que ses mécanos se mettent les mains sur la tête en voyant l'état de son véhicule. Voilà notre pilote vosgien, Christophe Collardet, mon ami, se retrouve en 6e position, qui malheureusement va dans le bac à sable, qui se met à la faute sans gravité, en espérant. Voilà, il récupère sa Mercedes. C'est un très bon pilote.
et il est à la poursuite de Jérôme Bodina que nous voyons actuellement en course à la poursuite de Ludovic Breton qui se trouve, pardonnez-moi, qui se trouve en quatrième position, qui est à la chasse de Jimmy Valla. Voilà ce que nous voyons actuellement. Nous allons rester sur ces trois pilotes alors qu'il y a une guerre acharnée entre Rémi Caron et Kevin Bruxelles qui se disputent la place de leader, ce qui est admirable. Le Frolon contre Monster Energy, tous deux sur BMW F30 2015. C'est phénoménal. Voilà le champion qui se fait détrôner par notre pilote national belge, qui se fait acclamer par l'option publique bruxellois. Tout bien, tout honneur pour ce pilote. Et j'espère qu'il mènera sa Monster Energy en haut du podium et qu'il détrônera notre petit ch'ti national. Dans ses points de constructeur et de championnat. Alors qu'il nous reste à peu près 20 minutes de course. Voilà qui est très judicieux. Le Frolon attend de sortir son dard pour porter son coup. Sur la Monster Energy. En disant que le petit Frolon risque de passer devant la Monster Energy, ce qui serait ne rien dire. Voilà Jimmy qui place sa Citroën en troisième position devant Jérôme Bodina, une fois de plus subi de Ludovic Breton sur sa Pulsar, qui nous fait une course de toute beauté. Vous voyez la beauté de la Citroën. Je vous laisse avec la conduite de Cédric Valat, notre fidèle ami qui est en troisième position. Voilà, nous étions en compagnie de Cédric Valat, alors que nous voyons que Kevin Bruxelles et Rémi Caron prennent un tour au pilote tarné, qui voilà, après le coulis de framboise, et bien, c'est le petit framboisier. Attention, attaque de Rémi Caron sur Kevin Bruxelles, mais il n'y a pas de souci à son faire. Rémi Caron qui essaye, qui a sorti son dard, ça y est, sur Kevin Bruxelles, notre pilote belge, qui va lui faire le coup du sombrero. Voilà qui est fait à l'extérieur, qui nous fait un tête à queue, qui essaye, mais non, et c'est trop tôt, et il essaye, alors qu'il ne reste plus que 20 minutes, mesdames et messieurs, à Rémi Caron pour essayer de succéder à Kevin Bruxelles et reprendre sa place de leader.
alors que Rémi Caron porte une attaque encore une fois. Le frelon a sorti son dard, ça y est, qui passe là. Monster Energy, intimidation, coup de portière. Et Rémi Caron a repris sa place de leader. Ça y est, qui est fait. Voilà. Quand je vous disais que ce pilote était indétrônable et persévérant, alors qu'il vous disait, d'aller pas l'autre ce matin, qu'il avait une horreur, c'était de rester derrière un concurrent. Il nous tient toutes ses promesses en étant le leader du championnat WTTC pour le moment, alors qu'il nous fait une faute, il s'est fait une petite peur, et Kevin Bruxell qui revient tel un lion sur sa gazelle. Mais malheureusement, Rémi Caron tient le bon bout alors que Kevin Bruxell reste au contact en seconde place, alors que Jimmy Vallat, Cédric Vallat, pardon, est en troisième position pour le moment et qui amène sa Citroën une fois de plus sur le podium. Voilà Rémi Caron qui commence à prendre de la distance sur son concurrent Kevin Bruxell sur sa Monster Energy. Le frelon a déployé ses ailes une fois Sondar sorti. On ne peut plus arrêter ce jeune pilote talentueux, tellement sa conduite est fluide. Il sait quand porter les coups, c'est mener sa BM de tout au tout et respecter les trajectoires comme il sait le faire en ce moment. Je vous laisse à sa compagnie admirer le talent de ce pilote. Vous comprendrez pourquoi c'est le leader du championnat WTTC 2018 sur le circuit de Nürburgring. Voilà, c'était une grosse sortie pour le pilote de Frelon, son coéquipier Jérôme Bodinan, qu'on a pu apercevoir, qui est en 7e position. Qui malheureusement n'a pu éviter ce fameux accident, alors que Rémi Caron, le leader, rentre au stand alors qu'il ne reste plus que un quart d'heure, moins d'un quart d'heure de course. Mauvaise stratégie de ce leader alors qu'il va se retrouver en troisième position. Voici qui est fait, Kevin Bruxell qui a pris la pole position, suivi de Cédric Vallat, troisième Rémi Caron, quatrième Ludovic Breton qui reprend une place à Rémi qui se place en troisième position. Voilà que Rémi repart des pits avec un retard inimaginable en espérant de reprendre sa pole position. Voilà Rémi qui va essayer de tout donner pour essayer de reprendre sa pole position à Kevin Bruxell. Doit se battre contre Ludovic Breton, son ami et concurrent, sur la piste, suivi de Jimmy avec sa Citroën Team Bob et Kevin Bruxell sa BMW Monster Energy. Alors, voyons voir si
Rémi Weiss arriver à remonter ses concurrents là pour reprendre sa place de leader, alors que Jérôme Bodina a eu un autre souci. Ce pauvre pilote n'aura pas eu de chance pour cette seconde manche, alors que Ludovic Breton est énormément heureux d'être troisième, car sa Chevrolet risque de monter sur le podium, car il nous reste moins de 10 minutes de course bientôt, alors qu'il nous rentre au pit et risque de perdre sa troisième place. Voilà qui va être fait, car Rémi Caron va passer en même temps que lui. Voilà, c'est fait. Rémi Caron qui passe en deuxième position, car Jimmy s'était arrêté également au pit, alors que Jimmy reprend la piste. Erreur de Jimmy. J'espère pour lui qu'il n'aura pas de pénalité, car ça le pénalisera sur la victoire si jamais il obtenait. Voilà le petit Cédric, pardon, avec sa Citroën Team Love aux couleurs de la France. Rodata. Sponsorisé par le Qatar. Et nous le voyons à l'attaque pour essayer de rejoindre Rémi Caron. Mais sachons-le que le petit frelon a ressorti son dard et va s'attaquer à monsieur Kevin Roussel. Qui lui rentre dans les stands. Alors nous allons voir si Kevin Roussel va avoir le temps de réparer. Je ne pense pas, car Ludovic Breton va bientôt Rémi Caron va bientôt arriver. Voilà qui fait qu'il va passer devant les pits, alors que Kevin Roussel est toujours dans les stands, qui repart, tandis que Rémi Caron arrive. Est-ce qu'il va avoir le temps de repasser leader? C'est une bataille phénoménale. Voici que Kevin Roussel repart des stands et que Rémi Caron lui reprend la place de leader. Voilà qui est fait. Ah, c'est une course admirable. Voici une bonne course des stratégies du petit frelon. C'est un vrai régal pour les yeux. On se croirait en grand prix sur Motorsport. C'est vraiment énorme ce que nous vivons ce soir. C'est un vrai régal. J'espère que mon président Noël Delorme en pense autant que moi. J'adore ce garçon. Le combat qui nous procure ce soir est extraordinaire. Voilà le Monster Energy, notre petit belge préféré, Kevin Roussel. Ovationné par les Bruxellois qui sont venus en nombre dans les stands. Et qui essaye de tout faire pour essayer de revenir sur Rémi Caron. Malheureusement, qui a déployé ses ailes une fois de plus, alors qu'il ne reste plus que moins de 10 minutes de course. Et que le frelon, ça y est, va butiner son miel une fois de plus, si je puis dire, pour passer un vainqueur à la ligne d'arrivée. S'il n'a aucun souci sur sa BM, alors que son coéquipier Jérôme Bodina
vient d'abandonner suite à un accident. Malheur à lui, le pauvre. On est tout avec lui. Toute l'équipe de TV, de RCV est avec lui. Et nous souhaitons qu'il répare sa voiture au plus vite pour qu'il nous régale les yeux pour son prochain Grand Prix en WTTC. Voilà, les commissaires nous ont annoncé qu'il restait 10 minutes alors que le temps défile. Et notre Rémi Caron est toujours en tête en tant que leader. Ce pilote ne sera pas détrôné encore ce soir. À part que Kevin Bruxelles, lui, accède un coup de bambou pour essayer de reprendre la place de leader et gagner enfin sa première manche en WTTC. Mais ce sera fort difficile car Rémi Caron est un sprinter. Alors qu'on voit Valentin Louage en difficulté avec sa Seat Leon. On voit Christophe Collardet s'arrêter au stand qui était en 5e position. Et nous entendons monsieur Christophe Ludovic Breton. Qui est passé alors que voilà Christophe Collardet redémarre des stands et Valentin Louage, nous voyons qui s'y fait prendre un tour par le troisième qui est Cédric voilà le frère de Jimmy qui je le rappelle conduit sur GT sur Assetto Corsa associé à la PRCV et également voilà le pauvre Jérôme Boudina qui explique pourquoi il est sorti accidentellement de ce virage et notre leader Rémi Caron toujours leader de cette course encore victorieux ce soir. Personne ne sera arrivé à lui tenir tête tellement son mental est fort. Voilà notre petit belge national Kevin Bruxelles sur sa Monster Energy. Regardez-moi comme elle est admirable cette BM. Plus de 220 chevaux. Alors que derrière nous voyons la voiture de Cédric, voilà sa Citroën de Team Lobe qui essaye de revenir sur Kevin Bruxelles. Et voilà le petit Cédric qui essaye tout pour essayer de revenir sur le pilote belge Kevin alors qu'il ne reste plus que 6 minutes environ de course et que Ludovic Breton tout de même se place en 4e position avec sa Chevrolet Pulsat qui fait son bout de chemin tout seul mais sûrement mais qui va remporter des prix, des points, pardon, constructeurs pour sa team. Alors que Christophe Collardet est toujours en 5e position avec sa Mercedes. Enfin, une course finie et on peut entendre la petite framboise derrière qui est toujours en piste
qui essaye de revenir. Sur Christophe Collardet, mais il s'est fait prendre des tours, un tour de plus par le leader Rémi Caron, alors que on a pu s'apercevoir que Jimmy Balat a repris la seconde place à Kevin Boussel, qui est lui en troisième position. Voilà Jimmy qui nous régale les yeux. Très bon pilote également, alors qu'on a pu apercevoir le pilote Tarné en bout de ligne droite, qui malheureusement au rythme de Cédric risque de prendre un tour de plus. Alors que voilà, on voit que Anthony rentre au stand dans ses pits. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas été la bonne soirée. Arrivé tardivement de la région Midi-Pyrénées ce soir. Malheureusement, il n'était pas en forme pour rivaliser avec de tels pilotes. Mais on ne peut pas être bon tous les soirs. Alors que Jimmy est toujours à l'attaque pour essayer de détrôner le leader, mais ça va être dur, même impossible à réaliser, car tel un frelon qu'il est, il a déployé tout aile dehors et le voilà qui va en terminer de cette course, car il ne reste plus que moins de 2 minutes environ de course pour la fin de cette seconde manche au Nürburgring, un championnat WTTC 2018. Voilà, Valentin Louage, toujours en course également. Le petit Fraisier, ce soir, on pourra dire, a pris la fessée. Car les pilotes lui ont pas laissé le choix. De réaliser une place supplémentaire, ainsi que son coéquipier le framboisier, qui lui nous fait de la compote de framboise avec ses pneus. Nous avons appris par notre journaliste qui est dans le paddock que la team Goodyear ne veut plus lui succéder pour les Grands Prix et que ça sera Michelin pour le prochain challenge en WTTC qui remplacera la team Goodyear. Voilà Christophe Collardet, notre Vosgien, notre ami de la BRCV, qui nous pilote sa fabuleuse Mercedes, qui est toujours en course, qui fait plaisir à voir,
car il se décourage pas malgré sa cinquième place. Félicitations à lui. Alors qu'on a pu apercevoir Rémi Caron très loin dans le circuit. Voilà, le temps est terminé. Kevin Bruxelles en troisième position, qui a un petit problème, qui a laissé sa place à Ludovic Breton. Est-ce serait-ce une panne d'essence? Ça serait catastrophique au dernier tour, mesdames et messieurs, au dernier tour. Il se fait prendre une place aussi par... j'allais dire Anthony Tolino, la petite framboise, mais non, ça m'aurait étonné, mais non, ce n'est pas lui. Et oui, je pense bien que c'est une panne d'essence pour le, notre petit Belge national qui doit râler dans ce cockpit et injurier ses mécanos de ne pas avoir mis un peu plus d'essence pour qu'il termine son dernier tour de cette seconde manche de Nürburgring. Et voilà notre troisième, le, avec sa Chevrolet Pulsat, tout jaune, toute jaune flamboyante, qui doit être super content de son résultat, malgré les erreurs multiples qu'il nous a offert pendant cette, ces deux courses du championnat en Nürburgring, et qui va passer sa Chevrolet en troisième position et gagner des points constructeurs également, et qui sera sponsorisé par Côte-Brige, alors que Goodyear s'est retiré du championnat. Alors nous verrons la prochaine fois comment ça va se dérouler. Voilà, Rémi Caron qui en termine avec sa course, ainsi que Jimmy, que Cédric, pardon, Cédric Valade, qui finit second et qui place sa fabuleuse Citroën Team Lobe en deuxième position sur le circuit de Nürburgring. Félicitations à lui et à ce jeune pilote talentueux, ainsi que Rémi Caron, l'indétrônable frelon. Et voilà, Ludovic Breton qui s'arrête pour aider son ami Kevin Bruxelles. Qui est fabuleux. Regardez la solidarité entre ces deux pilotes. Voici le fair play. Ceci est le fair play à l'état pur. Pour lui permettre de terminer la course et ne pas se faire disqualifier. Regardez cette générosité entre un pilote belge et un pilote lyonnais. D'autres pilotes pourront en prendre l'exemple, car c'est exceptionnel de voir une chose pareille. C'est la première fois et historique, et historique dans la vie de, d'un challenge tel qu'un WTTC, surtout sur un factor, qu'une solidarité telle qu'elle se réalise en direct devant vos yeux et en direct sur la TV BRCV. Félicitations à ces deux pilotes et fair play. Félicitations monsieur Breton, monsieur Breton, pardon, Ludovic, dit Lulu. Et je te dis un grand merci pour la course que tu nous as révélée, car tu te places en troisième position. Et à très bientôt, mon petit, au prochain Grand Prix en WTTC.
Alors, nous allons faire un petit placement direct. Alors, voilà. Alors, premier de ce championnat. Évidemment, c'est, on ne se le cache pas, Rémi Caron sur BMW F30 2015, qui a terminé ses deux manches et qui monte sur la plus haute marche du podium. Deuxième, Rémi Vallat, qui se place en seconde place sur Citroën 2016 avec sa team Sébastien Loeb. Troisième, une surprise qui est arrivée à l'imprévu à cause de une panne d'essence de Kevin Broussel sur sa BMW qui se retrouve en troisième position et qui propulse aussi sa Chevrolet Cruze en haut du podium. Troisième. Notre ami Christophe Collardet qui termine à la quatrième place avec sa Mercedes-Benz C200 2015 et Anthony Tolino avec Valentin Louage et Jérôme Bodina, malheureusement, qui en termine à la dernière place. Voilà, mesdames et messieurs, ce Grand Prix de WTTC est terminé. Je vous remercie de l'avoir subi en direct. Et nous allons, je vais essayer de retrouver des pilotes pour pouvoir tenter d'avoir des bonnes appréciations pour la seconde manche. Alors je vais prendre Rémi Caron avec moi. Rémi Caron déplacé dans votre canal. Bonsoir Rémi. Sont désactivés, sont activés. Ah, il m'entend pas. Alors, tant pis, je vais le remonter. Hop, Rémi là. Caron déplacé hors du canal. Alors, voilà, j'ai un petit souci technique. Déconnecté. Avec TS, je reviens de suite dessus pour essayer d'avoir notre ami et victorieux Rémi Caron pour sa victoire en WTTC. Connecté. Alors voilà, je reviens. Canal commentateur course ne pas dire je rejoins. Alors nous allons essayer d'avoir Rémi Caron. Rémi Caron déplacé dans votre canal. Bonsoir Rémi. Es-tu bonsoir. Avec nous? Ah ouais. Voilà. Félicitations pour ces deux victoires de WTTC sur le fabuleux circuit de Nürburgring. Alors, quelles sont tes impressions pour ce Grand Prix? Enfin, ce Grand Prix, ce championnat, quoi. Très bon circuit déjà. Après, la voiture marche nickel aussi. Ce qu'on a pu s'apercevoir, oui. La conduite des voitures est complètement différente des autres que j'ai pu essayer. Oui. Par contre, félicitations pour comment ça s'appelle, pour le combat que tu nous as procuré. Oui. Et bonne stratégie dans les pits, si je puis dire. Bon, surtout dans la première course, j'ai failli ne pas finir la course. J'ai calé 200 mètres à la panne d'essence, quoi. Oui, c'est que j'ai vu que notre ami Ludovic Breton a fait le fair play de pouvoir te pousser avec sa Chevrolet. Voilà, ouais, jusqu'au pit, si on peut dire. Voilà. Et en ayant fait de même avec notre ami Jérôme Bodina. Voilà. Ah oui. Jérôme est sorti aussi à la deuxième course. Pour moi, dommage, quoi. Malheureusement, oui. Ouais. Voilà. Et aussi Kevin qui a eu une panne d'essence aussi oui. À la deuxième course, alors que j'étais à la bagarre avec lui.
Voilà. Dommage, quoi. Voilà. Effectivement. Et les autres pilotes. Tout à fait. Et bien encore, félicitations pour tes deux manches gagnées pour le premier challenge WTTC 2018 sur le circuit de Nürburgring. Et je te laisse aller fêter ta victoire avec tes coéquipiers. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau championnat. Bah, on va remettre ça lundi pour la Clio Cup. Et bien, pas de soucis. Alors, on se retrouvera lundi. D'accord. Très bien. Encore merci, Rémi. De rien. Au revoir. À bientôt. Rémi Caron déplacé alors, hors du canal. Alors, nous allons prendre. Nous allons prendre Monsieur Ludovic Breton. Ludovic Breton déplacé dans votre canal. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Voilà, je voulais te féliciter pour ton fair play que tu nous as fait apprécier en ayant poussé deux véhicules sur les deux manches. Oh, bon. Voilà. Et félicitations pour ta troisième place que tu nous as fait régaler ce soir. Ouais, bon, au début ça se battait bien. Après j'ai un peu lâché parce que je voulais pas trop faire comme mes camarades, tomber en panne d'essence. Mais bon, quand j'ai vu que certains étaient tombés en panne, donc j'allais pas les laisser s'arrêter pour se prendre des pénalités ou se faire disqualifier. Donc j'ai dit bah autant les pousser. En tout cas, un grand respect à toi. Et j'espère qu'il y en a qui vont prendre conscience qu'un pilote n'est pas avant tout de gagner, mais de respecter son prochain, ce que tu as fait admirablement bien ce soir. Et je t'en remercie. Bah oui, mais c'est tout à fait normal. Hein. Moi, c'est. Je suis comme ça. Bien, merci beaucoup, Ludo. Et encore merci pour. Comment ça s'appelle pour ton fair play et ta gentillesse. Mais pas de quoi, et merci à toi pour tes lives, c'est super bien. Eh bien merci beaucoup. Ben merci Ludo, ben écoute, je te laisse rejoindre les autres pilotes pour que tu fasses ta victoire. Et je te dis à bientôt. Pas de soucis, ben rendez-vous lundi pour la Clio Cup. Pour la première ben lundi pour la, pour la, la Clio Cup. Exactement. Donc je ferai la pub tout à l'heure. Oh, c'est parfait. Ben merci beaucoup, Ludo. Merci à toi. Ludovic voilà. Breton déplacé alors, hors du canal. Je vais prendre les deux pilotes, le framboisier et le petit fraisier, qui conduisaient la Seat Leon. Et on va leur demander comment ils ont ressenti leur course malgré leur malheur qu'ils ont eu pendant ces deux manches au Nürburgring. Allez, c'est parti, on prend Anthony Tolino, Toto, déplacé Monsieur dans Valentin votre canal. Louage. Valentin Louage, déplacé dans votre canal. Bonsoir Valentin, bonsoir Anthony. Les deux pilotes de Seat Leon de ce soir, le framboisier et le petit fraisier, qui nous ont fait une petite confiture de framboise. C'est très bien. Alors messieurs, je voulais vous savoir le ressenti que vous avez eu pendant cette course. Nous allons commencer par le pilote Tarny qui est dit Toto. Ben écoute Fifi, la première fois en Seat Leon, j'ai fini 5e au classement. Je trouve que je me suis pas mal battu, à part que je me suis sorti, donc il a fallu que je retourne au stand. Mais sinon, ouais, je suis satisfait pour cette course. D'accord, donc ce n'est pas la même conduite que la Seat que tu conduis dans la vie active. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà. Ne pas confondre le virtuel avec le réel. Voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que si tu avais eu de la persévérance, c'est-à-dire si tu avais eu du temps à pouvoir conduire, est-ce que tu aurais eu l'obligation de tenir tête aux quatre premiers qui étaient devant toi? Écoute, je sais plus, je peux pas te dire davantage, mais je pense que ouais,
j'aurais essayé de me battre davantage hein, pour essayer de gagner la quatrième place. Hein. Mais bon, je suis pas, on va dire, je suis pas dernier. Donc voilà, donc je me satisfais très bien de ma quatrième place ce soir. Très bien, je te remercie Anthony. Eh bien c'est moi qui te remercie. Ton commentaire. Eh bien c'est moi qui te remercie. Et nous allons poser la même question à monsieur Valentin Louage, dit le petit fraisier, qui nous a fait une tarte aux fraises ce soir. Alors je voulais savoir, toi également, comment as-tu ressenti cette voiture et comment as-tu ressenti aussi ce circuit, le Nürburgring? Eh bien, en fait, j'ai eu de très très gros problèmes au niveau de l'embrayage. Normalement, vous avez dû le voir. Donc, oui. Je pouvais rester que en première. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que je finis dernier. Sinon, peut-être que j'aurais pu. D'accord. Alors, la boîte n'a pas pu tenir pour suivre la cadence des premiers qu'il y avait devant toi. Ouais, effectivement. D'accord. Et donc, le circuit, bah, vraiment nickel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est juste D'accord. le véhicule qui a été mal réglé. Alors, je voudrais savoir une chose, c'est que mon journaliste dans les paddocks m'a averti que le team Goodyear allait quitter votre team et que c'était la team Michelin qui allait vous rejoindre. Pouvez-vous m'en donner la raison, s'il vous plaît? Messieurs? Oui. Il faut poser ça à Anthony, en fait. Ah ben, moi, je suis pas... Moi, je suis pas au courant du tout. Tu veux faire des choses, hein, du moins. D'accord. Moi, je suis un peu surpris par rapport à ce que tu... en train de dire. D'accord. Voilà. Mais il faut dire aussi que je suis un journaliste, alors si je ne suis pas au courant des choses, c'est que c'est un peu bizarre, voyez-vous. Ah, voilà quoi. Si je peux vous avertir, voilà, votre team a été contacté par Goodyear et ne veut plus être les servants à vos véhicules. Car vous les comme ils disent, vous les cramez trop. Voilà. Alors, ils ont été contactés par Michelin qui ont des pneus plus mous pour pouvoir adhérer mieux pour la prochaine piste qui va y avoir en championnat WTTC. Voilà messieurs, c'est une info que je voulais vous faire partager. Et sur ce, je vais vous laisser rejoindre vos collègues pour fêter... admirablement bien cette journée mémorable sur Nürburgring. Et merci aux petits fraisiers et aux petits framboisiers, dit le pilote tarné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine course qui se déroulera demain, lundi, pardon, pour la Clio Cup. La Clio Cup, pardon. À très bientôt, merci. Oui, à très bientôt. À bientôt. Anthony Tolino, Toto, déplace. Valentin Louage, déplacé hors du canal. Nous allons prendre maintenant notre pilote belge, Kevin Bruxell, pour savoir ses ressentis. Kevin Bruxell, il déplaçait dans votre canal. Voilà, Kevin Bruxell qui courait sur la BMW F30 2015 aux couleurs de Monster Energy, qui malheureusement a eu des soucis de panne d'essence, alors que ces mécanos ont fait un grand défaut de lui mettre très peu d'essence pour qu'il puisse finir cette seconde manche et qui a été poussé par monsieur Ludovic Breton, son ami dans la vie. Également un grand fair play à lui. Alors Kevin, je voulais savoir, comment as-tu vécu cette course? Oh ben, très déçu, hein. Il faut être sincère, tomber en panne d'essence, ça fait toujours pas plaisir. Oui. On peut t'appeler le Belge noir. Ouais, exactement. Hein? Pour le moment, c'est l'hécatombe. Voilà. Espérons que la saison va un petit peu mieux progresser et qu'elle va évoluer. Je te l'espère de tout cœur. J'espère que tu vas mener ta BMW, la Monster Energy, sur le podium.
Je l'espère aussi. Voilà. Ou sinon, qu'as-tu ressenti, des pilotes qui ont fait la course avec toi? Oh ben, il y a un très très beau plateau cette année. Rémi, que ce soit Rémi, Jérôme, Cédric, tout le reste, ça va très vite. On se bat dans les 2-3 secondes grand maximum. Et ça promet pour la saison. Très bien. Est-ce que tu penses que tu peux détrôner Rémi Caron? Ça va être très difficile. Rémi a une très bonne conduite. Et ça va être très difficile. Ouais, ce qu'on a pu s'apercevoir ce soir, c'est qu'il ne lâche rien. C'est un pilote voilà. Déception. Voilà quoi. Il n'est pas que bon dans la F1 ou dans le rallye. Il est aussi très bon dans l'endurance. Voilà. Oui, c'est un pilote qui est très complet. On l'a vu l'année passée, il est champion en rallye. Comme il est parti là, à mon avis, il va y aller quelques catégories en endurance. Et je lui souhaite de tout cœur, en tout cas. Maintenant, je ne vais pas le laisser faire non plus. Mais je l'espère qu'il aura de très concurrents. Donc, j'ouvre les paris. J'espère qu'il y aura d'autres pilotes qui vont essayer de concurrencer ce fameux pilote qui est Rémi Caron. Quand il n'arrête pas de gagner, il faudrait le détrôner un peu. Voilà. Eh bien, Kevin, je te remercie. Et je te dérange pas plus longtemps, car tu dois être déçu. Et je te comprends de ces deux manches. Ça va passer. Le caractère, c'est tout ce qu'il faut. Très bien. Je sais que tu arriveras. Car tu as un tempérament de lion. Et je te dis à lundi pour le Clio Cup qui se déroulera sur notre chaîne en direct à partir de 21h. Pas de problème, une bonne soirée à vous et à lundi. Bonne soirée Kevin. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Kevin Bruce, voilà, il est déplacé hors Bruxelles du canal. Qui on peut imaginer très déçu de son résultat. Après une panne d'essence et une place de 3e, je pense. Voilà. Alors, nous allons prendre les deux admins. Donc, sur un des deux admins, Christophe Collardet, qui est pilote de la Mercedes, que je prends avec Christophe moi, Collardet déplacé dans votre canal. Noël Delobe, BRCV admin déplacé dans votre canal. De la BRCV, qui nous a offert. Ce soir, une course exceptionnelle, donc on s'est régalé. Les combats étaient magnifiques. Alors, on va commencer avec le pilote de la Mercedes, Christophe Collardet. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous dire. Quels étaient tes déboires dans la première manche? Oh, bah, la première, je rate mon départ complet. Et puis, énervé, je me sors à la chicane. Et puis, bon, suspension, comme d'habitude. Voilà, donc, que dire sur la suspension? Donc, abandon. Ouais. Voilà. Et dans la seconde manche, tu finis 5e. Bah, 4, j'étais 5, donc tout le voilà. Monde. J'ai fait ma course tranquille voilà. Pour ramener la voiture au bout. Je finis 4 avec la panne d'essence de Jérôme Bodina. De la petite marmotte, Kevin Poussin, oui. Tout à fait. Ouais. Donc, je finis 4, bonne course dans l'ensemble. Voilà. Mon voiture pas trop facile. Donc on verra rien à faire dessus. D'accord. Il va très bien. Alors, on va donner la parole pour conclure cette soirée de WTTC 2018 sur le circuit de Nürburgring à notre président Noël Delobe. Qu'a-t-il pensé de ces deux manches et est-ce qu'on va persévérer sur ce mode-là? Les deux manches se sont très bien passées, ça a été deux belles manches, il y a eu de la bagarre que ce soit du début à la fin, avec les premiers comme avec les derniers. Ah oui. Une très belle manche.
Pour dire oui, le championnat continue. Donc la première manche est passée, donc on va s'apprêter à aller sur la deuxième manche, comme à peu près tout. Ils sont, comme t'as dit, sur comment je vais dire, sur le la Clio Cup qui se passera lundi avec la première manche sur le Caro. Ouais. Qui va être encore une manche qui va être assez porte en émotion. Je pense qu'à mon idée, il va y avoir assez bien de bagarre. Mais je pense qu'il va y avoir une bonne bagarre entre Rémi Caron, Kevin Bruxell et Cédric Vallat qui se font le forcing à trois pilotes. Espérons que Flavien Lizot se mêle à la bagarre et ça fera un spectacle exceptionnel. On a énormément de bons pilotes qui évoluent au fur et à mesure sur le mode endurance. Donc le mode endurance, c'est vraiment tout à fait différent du mode rallye. Donc... Tout à fait. Vraiment, il faut attaquer, gérer. Vraiment, il faut gérer tout. Il le s'assoit et la voiture, pas trop la pousser, on est restant en poli. Oui. Petit point. Donc voilà, la voiture, c'est ça. Ça, l'endurance, c'est vraiment tout gérer. Physiquement soi-même, et physiquement sa voiture. Tout à fait, oui. Tout à fait. Eh bien, c'était la conclusion de notre président Noël Delobe et notre pilote Christophe Collardet. Nous retrouverons prochainement sur la TV BRCV pour le deuxième championnat de Clio Cup qui se déroulera lundi. C'est la première manche. La première manche, pardon. Exactement, pardon. Puisque la première était l'open. Excusez-moi. Donc la première manche se déroulera le lundi 29 janvier 2018 sur la chaîne TV BRCV. Ce sera en direct. Et je vais plutôt vous mettre une intro pour vous faire découvrir la Clio Cup Championnat de France, Coupe de France, pardon. Sur le circuit de Nougaro. Juste Clio Cup. Clio Cup, pardon. Ça n'a rien à voir avec la Coupe de France. Clio Cup, qui va vous faire découvrir ce qu'est le championnat actuel sur le circuit de Nougaro qui se déroulera ce lundi sur notre chaîne TV BRCV. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous remercie à tous les deux d'être restés avec moi. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne TBRCV et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi, messieurs, dames. Bonsoir et l'intro va démarrer d'ici peu. Voilà, elle va démarrer maintenant. Alors, je vous dis à très bientôt, messieurs, sur notre chaîne TBRCV. Au revoir, messieurs. À très bientôt. Sur notre chaîne, c'est BRCV. BRCV Admin rejoint le canal course. Christophe Collardet rejoint le canal course.